suis la ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Et par rapport à la participation du Mali, je vais commencer d'abord par saluer l'initiative de ONU Femmes de nous regrouper ici à Addis pour échanger sur nos expériences en termes de violences faites aux femmes et de réfléchir à des stratégies pour qu'on ait une vision commune lors de la CSW qui se tiendra en mars 2013 à New York. Et je pense que nous avons partagé nos expériences en ce qui concerne le Mali. Nous avons fait une communication pour parler de la situation des femmes déplacées, de la situation des violences faites aux filles et aux femmes. Et comme je l'ai tantôt dit, les filles ont été violées, les femmes ont été violées. C'est de 9 à 60 ans que nous avons entendu parler des filles et des femmes qui ont été violées et violentées dans le nord du pays. Et nous avons déploré cet état de fait. Et nous avons insisté pour que ces criminels soient poursuivis juridiquement, qu'ils soient sanctionnés et qu'il n'y ait pas d'amnistie pour ces criminels. Et est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à vos attentes, surtout pour la prochaine CSW 57 qui va se tenir sur ce thème particulier de la violence à l'endroit des femmes et des filles? Par rapport à la CSW, déjà c'est une bonne chose que d'aller ensemble avec une vision commune, avec des stratégies communes. Et j'espère de tout cœur que la CSW verra les partenaires encore plus sensibilisés par rapport à la situation des pays en conflit comme les miens. Et par rapport à toutes ces femmes et à ces filles violentées dans les différents pays, et surtout dans les pays en conflit. Et que les enveloppes, les budgets soient un peu plus consistants pour qu'on puisse faire face à tous ces défis nombreux qui nous permettront de relever les défis, de réduire et d'éliminer les violences faites. Je vous remercie.